Bonjour à tous et bienvenue sur Test et Astuces Hightech. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite astuce sur YouTube. Et oui, écoutez ces musiques en arrière-plan, écoutez ces meilleurs films en arrière-plan, voire même écran fermé sur votre iPhone. À l'origine, il n'y a que les abonnés premium qui peuvent faire cela. Dans cette vidéo, je vais te montrer le contraire. Il va donc falloir passer par différentes étapes, dont une, il faudra installer un script que je mettrai dans la description. Ce script s'appellera YouTube image dans image. Et pour installer ce script, si tu n'as pas encore fait de script, fais un script bidon dans l'application raccourci. Car lorsque tu vas télécharger ce script et vouloir l'installer, peut-être que ton iPhone te dira qu'il n'autorise pas l'installation des scripts non certifiés. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas dans raccourci, tu crées un script n'importe lequel, on s'en fout. Ensuite, tu pourras installer le script que je t'ai mis dans la description. Une fois ceci fait, il faudra que tu te rendes sur youtube.com, mais à partir de Safari. Comme tu peux voir ici sur l'image en gros sur ton écran, je suis déjà en picture in picture, en image dans image, via ma petite astuce. On va reprendre du début. Donc on se dirige sur Safari. Là, Safari te demande si tu veux te connecter à ton compte ou pas. Pour l'instant, je vais dire non merci. Là, une deuxième boîte de dialogue s'ouvre qui va te demander, on lui dit OK. Donc là, on s'est rendu sur youtube.com à partir, je répète, de Safari. Problème, c'est que si je vais ici en haut sur image dans image, le PI ne s'applique plus. Google a bloqué cette fonctionnalité dans Safari. Mon astuce, elle est dans la description, télécharge le script, installe-le. Une fois que tu l'auras installé, tu vas aller donc dans Safari. Et ici, tu vas te mettre en mode ordinateur. Ok ? Une fois que tu as fait ça, c'est cool. On a déjà fait pas mal de boulot. Tu refermes. Une fois que tu t'es mis en mode ordinateur, ta page recharge. Cette fois-ci, c'est bon. Donc, tu as lancé ta vidéo. Comme tu as installé mon script, tu vas tout en bas. En partant de la gauche, tu pars sur le troisième bouton. T'ouvres, t'arrives dans le tiroir de partage. Tu glisses jusqu'en bas. Et en bas, tu dois voir, et si tu as bien installé le script que j'ai mis dans la description, tu dois voir YouTube image dans image. Quand tu vas valider ce script, une petite animation va se faire. La petite animation a eu lieu, puisque tu ressens tu sens ton iPhone te tapoter dans la main, ce qui veut dire que l'animation s'est parfaitement bien déroulée. Maintenant, on voit que le picture in picture est présent sur notre iPhone. Ceci grâce au raccourci que je t'ai mis dans la description, à télécharger bien sûr et à installer. Une fois que tu lances ta musique, tu peux éteindre ton iPhone. Là, bien sûr, la musique s'arrête. Si tu rallumes ton iPhone, tu as le lecteur multimédia de ton iPhone qui est en route et tu fais play et tu profites. Et tu profites de ta musique en arrière-plan YouTube sans compte premium. Voilà, donc si cette astuce t'a plu, n'hésite pas donc à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne Test et Astuces et surtout partage avec tes amis. Et tu vas certainement leur faire plaisir en leur montrant qu'ils peuvent écouter la musique écran éteint avec ton iPhone. Merci d'avoir pris un peu de temps sur Test et Astuces et à très vite pour une prochaine astuce. Salut à tous.